Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation des labyrinthes et du raid, donc plutôt une initiation pour le raid et une présentation au niveau du labyrinthe des équipements à aller récupérer qui sont à des endroits spécifiques des labyrinthes. On va tout de suite commencer avec les labyrinthes. Donc je vais vous faire un petit résumé. Donc il y a beaucoup d'équipements dans les labyrinthes, mais il y a des équipements en fait spécifiques, il y a des équipements héroïques, des équipements rouges, qui sont à des endroits spécifiques du labyrinthe, à 100% de chance de drop. Et donc en fait il faut aller récupérer en priorité. C'est-à-dire que plutôt que d'aller explorer un peu partout, vous commencez à récupérer ces items-là pour les avoir le plus vite possible. Et puis après vous pouvez, si vous le souhaitez, finir ou non ou pas finir l'intégralité du labyrinthe. Moi, pour tout vous dire, j'ai pas tout fait en complet. Il y a des labyrinthes, à chaque fois il me manque quelques pourcentages que je n'ai pas terminé. Tout simplement parce que ça me coûterait une clé, ça me coûterait un compas juste pour retourner pour les finir. Donc dans l'immédiat, c'est pas ma priorité. Cependant, il y a quand même des bonus à finir les labyrinthes. Vous avez une petite quête qui vous donne 90 ou 100 cristaux, 100 skystones pour avoir fini l'intégralité des labyrinthes d'une zone. Donc par exemple sur celui-ci, je l'ai fini parce que il n'y avait que 3 labyrinthes et que on va dire que les loots étaient vraiment intéressants. Mais sur les premiers, je ne les ai pas finis à 100%. On verra plus tard si je m'en occupe, c'est pas ma priorité. Mais voilà, donc pour vous, si vous comptez en tout cas les finir intégralement, sachez qu'il y a des endroits auxquels il faut aller le plus vite possible pour récupérer ces items. Donc je vais vous faire la présentation de ces items-là dès maintenant. Bien, donc j'espère que ça vous sera utile. Je vais maintenant vous présenter le raid. Donc le raid est disponible dès maintenant. C'est-à-dire que vous n'avez pas, je crois qu'il faut simplement finir un des labyrinthes, je ne sais plus forcément lequel, pour que ça débloque l'accès au raid. Mais en gros, vous n'êtes pas obligé de faire tous les labyrinthes à 100% avant de commencer le raid. Ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en fait, le raid n'est pas forcément beaucoup plus difficile que les labyrinthes. Bien entendu, c'est plus dur, mais c'est une question plutôt de compo au niveau de vos personnages. Mais par exemple, ça sert à rien de vous dire d'abord je finis les abysses jusqu'au level 80 avant de commencer à faire le raid. Les abysses 80, ça sera beaucoup plus dur. Bon, maintenant c'est 90, mais en tout cas la première partie des abysses est plus dure que le raid. Donc moi j'ai commencé le raid, je crois, vers le level les abysses 60-70 à peu près. Et ce que je pense, c'est que le mieux c'est d'aller faire un essai, de rentrer dans le raid, essayer de faire un essai, voir si vous pouvez tuer un boss ou pas.
De toute façon, si vous faites yield, vous faites une fuite dans le donjon, vous sortez du donjon, vous récupérez le compas que vous avez utilisé. Donc vous pouvez ne serait-ce que juste faire un essai et voir comment ça se passe et vous dire si ça vaut le coup ou pas de tenter le coup. Donc contrairement au labyrinthe, le labyrinthe en fait ne demande qu'une seule clé pour entrer, le raid demande deux clés pour entrer. Vous pouvez stocker jusqu'à 3 clés en même temps sur votre compte. Donc du coup, il suffit simplement, si vous voulez faire le raid, d'attendre une journée, de ne pas faire de labyrinthe pendant une journée, et le lendemain, vous avez 2 clés et vous pouvez faire le raid. Vous avez aussi sinon une autre solution pour ça, c'est vous pouvez acheter des clés en plus. Donc au niveau des clés, vous allez avoir dans le shop. Alors, où est-ce qu'il est le shop? Tac. Hop. On va aller voir. Donc dans le shop, vous avez la possibilité d'acheter 2 clés. Donc vous avez ici une clé qui s'achète contre des feuilles, les leaves, et une clé ici qui s'achète contre des skystones. Donc à vous de voir si ça vaut le coup. Si vous êtes vraiment, si vous, il vous reste plus que ça à farmer dans le jeu ou parce que vous voulez récupérer, parce que dans le raid vous allez récupérer pas mal de choses. Vous allez récupérer des équipements, vous allez récupérer une currency, quoi, je vous montrerai après. Vous allez récupérer aussi des anciennes coins. Et donc ça peut être intéressant en fait à farmer. Donc à vous de voir. Idéalement, moi je trouve que le compas à 120 skystone est plutôt correct, puisque moi j'ai tendance à utiliser mes skystone pour recharger mon énergie par exemple. Donc 120 skystone, ça représente un peu d'énergie, mais on va dire que c'est assez raisonnable. Les leafs, je suis un peu moins fan parce que ça représente beaucoup plus d'énergie. C'est 80 énergies par leaf, alors que là c'est du 60. Ouais, je crois. Donc après, à vous de voir si vous avez vraiment besoin de vos Skystones, si vous êtes plutôt du genre comme moi à les garder de côté en attendant un personnage vraiment indispensable, ou si vous en servez surtout pour leveler, etc. Les feuilles, il y a des gens en fait qui ne se servent pas des feuilles justement pour recharger leur énergie. Ils se servent des feuilles justement pour les compas, etc. Ou pour par exemple aller plus vite dans les abysses pour aller s'ils voulaient acheter une clé d'abysse une fois par jour pour faire un essai de plus. Donc au final, c'est tout dépend de vos besoins et de votre progression. Moi, je sais que jusqu'à présent, j'achète de temps en temps le compas contre des Skystones. J'ai jamais acheté celui-ci. Et vous avez une autre clé qui s'achète aussi dans le shop de votre guilde. Voilà. Donc, hop, dans le membership, vous avez, d'ailleurs, je l'ai a priori déjà acheté, vous avez un compas en plus ici qui s'achète pour 180 Brave Crest. Bon, moi, les Brave Crest, perso, j'ai pas de soucis, j'en génère beaucoup parce qu'avec dans la notre guilde, on s'aide régulièrement pour se générer des crests, justement. Donc, voilà. Donc, de toute façon, chaque semaine, vous avez une seed à acheter absolument. Ensuite, moi j'achète toujours les catalystes parce que c'est toujours une chance d'avoir un objet rare que vous n'avez pas envie forcément de farmer. Et puis derrière, oui, une fois par mois, j'achète le Terra Fantasma. Voilà, donc si vous avez une guilde plutôt active, généralement vous ne manquez pas vraiment de crest et vous pouvez acheter votre compas une fois par semaine sans que ça coûte, sans que ça vous pose de problème. Voilà, donc vous pouvez soit attendre d'avoir assez de clés pour entrer dans le raid, soit vous pouvez acheter une clé supplémentaire pour pouvoir y aller un peu plus vite. Donc on va regarder un tout petit peu le raid. Donc vous avez une version normale et une version difficile. Dans la version normale, vous avez de l'équipement qui est d'un e-level 67. Et sur le raid difficile, vous avez de l'e-level 88. Donc 88, si vous vous rappelez bien, c'est au-dessus de l'e-level 85 qui drop actuellement un peu partout, c'est-à-dire sur les hunts ou en craft. Donc vous êtes sur une catégorie d'équipement qui est supérieure. Maintenant, honnêtement, le L, là, c'est vraiment un autre niveau. Pour moi, le L, ça sert à rien de vouloir y aller tant que vous avez pas au moins full clean les abysses et que vous n'avez pas une équipe, on va dire, très très bien équipée. Par contre, le normal, je vous ai dit, ça vaut le coup d'essayer, c'est pas forcément si difficile. C'est plutôt une question de compo et de comprendre la stratégie de combat vis-à-vis des boss. Donc, on va regarder, on va voir comment ça se passe. Je vais juste vous présenter. Alors, de toute façon, là, j'y vais juste pour. Je vais pas. Me bat, je vais juste pour vous montrer comment ça se présente dedans. Donc vous arrivez ici en fait donc au point central du raid et vous avez en fait la zone vers le haut qui est bloquée. Elle est bloquée tout simplement parce qu'en fait c'est la zone pour aller au boss de fin. Donc la boss de fin c'est la Queen Azumashik et elle se trouve ici et vous ne pouvez pas l'affronter tant que vous n'avez pas tué deux boss dans le raid. Donc dans le raid vous avez quatre boss en tout. Il y en a un qui est ici qui est le dévoreur Arahakam. Vous avez
Ensuite, ici, le Secretary Vera. Vous avez ici l'exécutionneur Carcanis. Non, pardon, l'exécuteur Carcanis, il est tout en haut à droite. Et en bas, tout en bas à droite, vous avez le Julif Council. Donc, le but, c'est d'aller sur une tentative par jour, d'aller sur un boss, le battre, et vous n'aurez pas assez de morale de toute façon pour retraverser toute la zone et aller en battre un deuxième. Ça, je pense pas que ça soit honnêtement faisable avec sur un seul run. Vous êtes obligé d'y aller, on va dire, un run égale un boss. Et puis généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie un peu du trash. En fait, on fait le chemin le plus rapide pour aller au boss, par exemple, hop. Et ensuite, après, on continue, on nettoie un peu de trash sur le chemin pour générer des loots, etc. Le temps que le moral soit à moins 30. Donc normalement vous savez comment marche le moral maintenant, c'est la même chose qu'en labyrinthe, c'est-à-dire que vous avez un bonus de vie quand vous êtes avec un moral positif, et puis plus vous baissez en moral, et plus vous avez des debuffs, et jusqu'à un debuff qui va vous rendre complètement en fait mauvais. Si vous passez à moins 50, tout va vous one-shot. Donc c'est généralement vous n'allez pas jusque-là, et même honnêtement à moins 31, ça devient impossible. C'est-à-dire que, à part si vous êtes vraiment je sais pas, en train d'affronter un trash mob que vous savez que vous allez pouvoir passer en brute force, je vous conseille jamais de dépasser 30. Quand vous arrivez à 30, il faut partir du labyrinthe. Après, vous allez vous faire défoncer. Donc, le but, c'est de générer un maximum de butin et de faire un maximum de choses dans le labyrinthe avant d'en sortir. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'un moral, on va dire, et que vous avez besoin d'une compatibilité de personnages entre eux, de façon à ce qu'ils puissent remonter le moral quand vous allez au camp, quand vous faites le petit camp, qui est l'icône en bas à gauche ici, qui apparaît, quand vous avez le choix de dialogue entre les personnages, et choisir quel dialogue vous utilisez, de façon à remonter les morales. Voilà. Donc, un run égale un boss. Quand vous avez tué deux boss sur la map, donc par exemple, on est lundi, lundi vous faites le premier boss. Mardi, par exemple, vous faites le deuxième boss. Bon, mercredi, vous n'avez pas assez de clés parce que vous avez déjà acheté les clés des autres, des magasins. Vous attendez jeudi. Jeudi, vous pouvez faire la queen, qui est le dernier boss du raid. Et si vous voulez, vous pouvez très bien continuer à clean. C'est-à-dire que, par exemple, vendredi ou samedi, vous pouvez dire, bah, je vais faire un troisième boss, un boss optionnel en plus, juste pour avoir des butins. Donc, ça marche par semaine, c'est-à-dire que le raid reset toutes les semaines. C'est-à-dire que votre progression, ce que vous avez fait dans le raid, même les trash mobs que vous avez tués, ils restent morts toute la semaine. Donc si vous y retournez, vous refaites le même chemin, il n'y aura personne sur le chemin. Et la semaine d'après, après le reset, donc tous les lundis, le raid reset et vous pouvez recommencer et récupérer les butins. Vous avez aussi ici, donc juste là, vous avez une petite salle derrière vous avec un vendeur. Donc le vendeur, c'est lui qui va vous proposer des items dans le raid que vous pouvez acheter en échange d'une currency. Alors la currency, elle est là, c'est ce que vous récupérez en fait à chaque fois que vous tuez un boss, ou même vous avez des mini-boss aussi sur la map, je vous montrerai un petit peu où ils sont, mais une fois que vous tuez un boss ou un mini-boss, vous récupérez cette currency, et ça vous permet, si vous souhaitez, d'acheter des objets dans le shop. Donc vous avez des artefacts rares qui coûtent une currency, vous avez des artefacts épiques qui coûtent trois currency, et vous avez aussi des objets. Alors, moi, on m'a dit que ces objets, ils étaient aléatoires et qu'ils changeaient chaque semaine. Mais pour ma part, j'ai vu systématiquement les mêmes objets pour l'instant. Donc peut-être que ce sont des objets d'un set spécifique, mais avec des stats aléatoires. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, j'ai toujours vu les mêmes objets ici. Vous avez donc un épique artefact charme, vous avez des charmes pour le collier et pour les anneaux, et vous avez ici un coffre. A priori, pas mal de gens en fait, quand ils sont en mode farm, c'est ça qu'ils achètent. Ils achètent ce coffre qui peut vous donner aléatoirement soit une Molagore Acide, soit une Gold Transmit Stone, soit une Galaxy Bookmark pour les invocations ML, soit 10 Covenant Bookmark pour les invocations classiques, soit 100 Skystone, soit 200 000 pièces d'or. A priori, je crois que les chances ne sont pas identiques entre tous les objets et qu'on a généralement plus souvent le plus mauvais des drops, c'est-à-dire les 200 000 pièces d'or. Bon, mais en tout cas, voilà, ça vous donne une currency qui peut vous permettre de récupérer des choses qui vous intéressent. Moi, la première chose que j'ai acheté quand je suis venu ici, quand j'ai eu 10 currency, c'est ce collier pour avoir un collier en fait du set Unity qui était plutôt sympathique en termes de stats. Donc j'ai trouvé que c'était plus intéressant que les autres pièces d'équipement. Voilà. Je verrai pour la suite si je continue d'acheter peut-être soit cette pièce-là d'équipement,
qui a des stats intéressantes, soit j'achèterai un peu comme tout le monde, j'achèterai ce coffre en espérant tomber sur les trucs les plus utiles en récompense. Voilà. Donc vous pouvez, à chaque fois que vous allez dans le raid, vous pouvez, si vous voulez, retourner voir ce vendeur pour acheter les objets qui vous intéressent. Voilà, donc ça, je vous ai tout à l'heure parlé du camp. Donc quand vous allez dans le camp, c'est là où vous allez pouvoir performer des dialogues entre vos personnages. Et si vous choisissez les meilleures options de dialogue, c'est là ce qui va vous donner en fait le plus de morale. Ça va vous augmenter votre morale. Donc là, par exemple, alors on va plutôt faire hop, sur mon Angelica, généralement mon Comforting Cheer, je sais qu'il marche bien, mais ça va dépendre aussi des gens avec qui vous êtes. Voilà, par exemple, là j'ai fait un choix qui est pas terrible, j'ai gagné que un point de morale parce que j'ai fait un choix qui était. Ah bah non, j'ai gagné un point de morale parce que je crois que parce que je suis au max en fait, tout simplement. J'avais fait plus 8, moins 1, moins 2, donc normalement j'aurais dû faire plus 6. Voilà, donc bon. 5 d'ailleurs, plus 5. Donc du coup, les choix de dialogue, en fait, vous pouvez les simuler. Vous avez des sites internet que vous pouvez trouver facilement. Je vous mettrai d'ailleurs un lien, je pense, sur la vidéo. Vous avez des sites, en fait, pour simuler les choix de dialogue et que ça vous dise exactement, dans cette combinaison de personnages, quels sont les dialogues les plus utiles à prendre pour avoir un moral le plus haut possible. Voilà. Hop. On va ressortir. Donc voilà, donc le labyrinthe, en gros, c'est une zone de farm qu'il faut faire chaque semaine. Pour les récompenses et pour les currencies, et aussi pour les drops en fait en général. Donc si le labyrinthe ne se passe pas bien, pour une raison X ou Y, vous ne réussissez pas, vous pouvez à tout moment yield pour sortir du labyrinthe, et ça ne consomme pas les clés, ça n'a pas consommé vos clés, donc vous pouvez en fait simplement tenter votre chance, ça ne fonctionne pas, vous sortez, et comme ça vous ne perdez pas votre essai de la semaine, ou vos essais en tout cas de labyrinthe. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le premier fight, le fight le plus simple qui est contre le dévoreur Arakan, qui se trouve tout en haut à gauche du raid. Donc je vais vous faire une petite démo. Je vous conseille de commencer par celui-ci parce que c'est le plus simple de tous les boss. En plus, il est d'éléments shadow. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de buff ou debuff contre les couleurs de vos personnages. Donc vous pouvez arriver un peu avec une équipe un peu de votre choix qui correspond à ce que vous avez le plus amélioré dans vos personnages. Donc pour moi c'est le combat le plus, on va dire, le plus facile. Donc n'hésitez pas à tenter le combat pour voir voilà comment ça se passe pour vous et si vous pouvez ou pas tenter de faire le raid dans les prochains jours ou les prochaines semaines sans avoir à attendre d'avoir trop avancé dans le jeu. Un autre truc que je vous ai dit, donc c'est que vous avez en fait sur le chemin, vous avez aussi des mini-boss des fois. C'est-à-dire que là, par exemple, tout sur le chemin, je vais avoir des combats contre des trash mobs qui sont très 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 faciles à tuer. Et puis de temps en temps, surtout sur les angles ici, en fait, donc ça, ils sont aléatoires, je crois qu'ils sont pas forcément aléatoires, mais ils ont des endroits précis, vous allez en fait avoir des rencontres contre un mini-boss. Donc le mini-boss, il a une barre de vie comme les boss, donc une grosse barre de vie. Il fait quelques skills qui sont pas forcément trop dérangeant, c'est pas non plus comme un boss de raid, mais ça ressemble un peu au boss de labyrinthe, c'est-à-dire que ils sont longs à tuer, ils peuvent faire pas mal de dégâts, ils peuvent faire pas mal de debuffs, et donc là il faut, c'est un bon test en fait pour voir si vous êtes prêt pour affronter un boss, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de tuer un mini-boss à peu près facilement, bon bah le boss de la fin de l'aile, vous n'allez pas pouvoir le tuer, mais donc ces mini-boss là sont intéressants à tuer parce que c'est eux qui drop aussi des currency pour le vendeur, voilà. Donc, assez parlé, je vous fais une démo. Donc, j'ai fait une grosse erreur. Voilà, donc là, j'ai fait une très grosse erreur. En direct live, j'ai perdu deux clés. Parce que au lieu de faire un yield, je suis sorti en fait par le portail du milieu, ce qui m'a consommé mon essai. C'est comme si j'avais dit, ok, bah, j'ai validé mon labyrinthe, je veux sortir. Donc voilà, un petit sacrifice de ma part pour vous montrer les choses à faire et les choses à ne pas faire. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo de mon combat, d'un de mes combats contre le dévoreur Arakan. Et puis voilà, puis je vous dis à la prochaine. Et puis n'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!영원한 밤이 도래할 것이다.
제 창이 여러분을 보호할 겁니다. 야! 이것이 옷이랍니다. 나한테 맡기세요. 방패기사단은 물러서지 않습니다. 밤의 무서움을 모르는 자는 지휘관이 근성을 보여드리죠. 모든 것을 뚫어버리겠어. 어쩔 수 없네. 어리석군. 겨울에는 쉬워요. 마늘 아래에서 누구도 숨지 못하리. 달빛이여, 쏟아져라. 제 창이 여러분을 보호할 겁니다. 야! 은퇴하고 싶어. 새벽이야. 수행을 계속할 거예요. 맡길게요. 안심하세요. 나랑 있습니까? 하! 신이 이시랍니다. 제가 갑니다. 방패기사단은 물러서지 않습니다. 내 창빛이 적을 섬멸한다. 아! 찬찬히 부서진 달빛이 쏟아져 내리리니 지휘관이 근성을 보여드리죠. 자! 어쩔 수 없네. 수행이 계속할 거예요. 같이 싸워요. 안심하세요. 두려워하지 마세요. 이 다리. 그들이 보는 마지막 다리겠군. 은퇴하고 싶어. 제 창이 여러분을 보호할 겁니다. 나의 부진 창 끝에 담아. 밤의 무서움을 모르는 자여. 방패기사단은 물러서지 않습니다. 모든 것을 뚫어버리겠어.